calendrier révolutionnaire, le calendrier. Sous l'ancien régime, il fallait fermer le point pour savoir quel mois avait 30 ou 31 jours. 31, 30, 31, 30. Maintenant, les semaines sont demain, largement ouvertes. Elles ont 10 jours, comme les 10 doigts. Et les mois, 30 jours. Et leurs noms chantent les saisons sur des notes gaies et légères pour le printemps. Germinal, floréal, périal. Large et généreuse pour l'été. Messidor, Hermidor, Fructidor. Grave et mouvementée pour l'automne. Vendémiaire, brumaire, frimaire. Et sombre pour l'hiver. Nivose, pluviose et ventouse. Et autrement, tu fais le jardinier. Ouais, jardinier de la nation. Tu coupes les bois? Ben, ma foi, non! Te vois pas que je plante un arbre? Et quelle espèce d'arbre? Un arbre de la liberté. Mais tu n'attends pas la Sainte Catherine? Ben, il n'y a plus de Sainte Catherine. Alors, c'est le 25 novembre. Ben, il n'y a plus de 25 novembre. Et alors, quand vas-tu planter ton arbre? Eh ben, maintenant, il n'y a plus de saison pour la liberté. Mais si tu veux qu'il prenne mon couillon, tu devrais attendre la ci-devant, Sainte Catherine, le ci-devant, 25 novembre. Mais tu peux pas dire le 4 Vendémiaire comme tout le monde, non? Allez, allez, citoyen, te ferais mieux de m'aider, va! Cher à toute la France, comme dans son sein, tu pries des saints. Pensais-tu qu'un jour le destin t'offrirait un pareil festin? T'offrirait un pareil festin? Pensais-tu qu'un jour ton feuillard réunirait sous ton ombrage, au lieu de rampant citadin, tant de braves républicains, tant de braves républicains? Mais s'il n'y a plus de César, plus de Sainte Catherine, alors, il n'y a plus de bon Dieu. Il y avait pu. Mais le citoyen Robespierre, il inaugure aujourd'hui le culte de l'aide suprême. Ah, j'aime mieux ça. On saura tout de même à qui causer. Oh Dieu, visible à nos yeux, et quand tes œuvres l'on contemple, entre dans l'espace et le temple, et dans ta main que la paix et les yeux, vers moi dont il a reçu l'être, le français élève sa voix. S'il a rougi d'obéir à des rois, il est fier de t'avoir pour maître. S'il a rougi d'obéir à des rois, il est fier de t'avoir pour maître. Reçois à nous pour culte et pour autel, nos cœurs tout remplis de toi-même. Sein de ta grandeur suprême, d'un œil égal, tu vois tous les mortels. Mais nous suivrons ta loi première, et nous serons tes vrais enfants. Si nous t'offrons des vertus pour encens, et des actions pour prières. Si nous t'offrons des vertus pour encens, et des actions pour prières. Il faut faire vite, Condorcet. Nous devons soumettre la nouvelle Constitution au référendum populaire. Continuons d'examiner le projet. Donc, pouvoir législatif, une assemblée élue au suffrage universel, et l'exécutif confié à 7 membres, eux aussi élus au suffrage universel, mais hors
de l'Assemblée. Je refuse ce projet qui institue une royauté des ministres. La Convention tranchera, Saint-Just. Je continue. La propriété est un droit inviolable et sacré. Pas du tout. La propriété est le droit qu'a chaque individu de jouir et de disposer de la portion de bien qui lui est garantie par la loi. Ce droit est borné, comme tous les autres, par l'obligation de respecter les droits d'autrui. Elle ne peut donc être inviolable et sacrée. La Convention tranchera. Le peuple tranchera. Le droit naturel, c'est le droit au travail et à la subsistance. Les secours publics sont une dette sacrée. Mais qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est la Constitution de l'an 1. Celle que le peuple vient d'adopter à une écrasante majorité ? Oui, avec 3/4 d'abstention. On va pas l'appliquer ? Non, pas dans les circonstances actuelles. Alors ? Eh bien, on va la ranger et la mettre soigneusement sur le bureau du président de l'Assemblée. Ce serait la peine, assurément, de changer de Constitution.